Nous allons pouvoir poursuivre cette discussion avec un amendement 2048. Monsieur Brindeau. Oui, merci, monsieur le Président. Cet amendement présenté par notre collègue Nicole Sanquer. Comme vous le savez, l'aide à la continuité territoriale permet la prise en charge partielle du titre de transport de nos concitoyens désireux de se rendre en Hexagone. Elle a rendu un rapport sur le sujet et a formulé un certain nombre de recommandations. Nous souhaitons que le gouvernement, évidemment, soit attentif à ce sujet, puisque cette continuité territoriale est l'un des seuls sujets concernant les Outre-mer qui figuraient dans le programme du président de la République. L'une de ces recommandations consiste à élever le plafond d'éligibilité à l'aide à la continuité territoriale. En Polynésie française, seuls ceux qui y résident depuis plus de 6 mois et dont le quotient familial a atteint 14 108 euros sont éligibles à ce dispositif. En 2018, ce sont 492 Polynésiens qui ont pu voir leur titre de transport pris en charge. Malheureusement, trop de nos compatriotes se voient refuser l'accès à ce dispositif, dont il convient donc de rehausser le plafond d'éligibilité. Merci, monsieur Brindeau. Monsieur le rapporteur. Monsieur le Président, bonjour. Chers collègues, bonjour. Chers collègues, nous avons échangé assez longuement hier soir sur cela. La continuité territoriale est un élément important de la politique en Outre-mer, y compris du président de la République. Je note que, notamment cette année, sur les crédits continuité territoriale, ils augmentent justement de 3 millions le montant de votre amendement. J'imagine que le ministre aura des précisions à nous donner. La commission ne s'est pas prononcée. Pour moi, c'est un avis de sagesse. Merci, monsieur Servat. Monsieur le ministre Lecornu, je suis très heureux de vous revoir. Merci, monsieur le président Ranson, mesdames, messieurs les députés. Effectivement, hier soir, notamment, j'ai pris longuement la parole sur les questions de continuité territoriale. Donc je vais désormais être un peu plus bref, monsieur le président, dans mes différents avis. Avis défavorable au retrait, parce que déjà satisfait, monsieur le député, relèvement des crédits, c'est financé, 3 millions d'euros, c'était dit par le rapporteur. Modification de l'arrêté, j'en ai parlé cette nuit. Donc tout cela est déjà satisfait. Donc retrait ou le cas échéant, défavorable. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Monsieur Brindeau. Effectivement, monsieur le ministre, cet amendement est satisfait. Nous voulons remercier le gouvernement d'avoir accédé à cette demande. Je vais donc retirer l'amendement. L'amendement est donc retiré. Nous passons au 2055. Monsieur Brindeau, encore. Le 2055 est présenté par notre collègue Philippe Dunoyer. Donc, les plafonds de revenus retenus dans la loi LODEOM de 2009 ont conduit à diviser par 3 le nombre de Calédoniens bénéficiaires de l'aide à la continuité territoriale entre 2011 et 2016. Les plafonds apparaissent trop bas par rapport au coût de la vie qui est élevé en Nouvelle-Calédonie, si bien que cette aide ne concerne finalement que des bénéficiaires qui ne pourraient de toute manière pas supporter le reste à charge d'un billet d'avion. Pour rappel, le prix d'un aller-retour Nouméa à Paris est d'environ 1 500 euros. Par rapport à ce prix, le montant de l'aide à la continuité territoriale n'apparaît pas cohérent, puisque l'arrêté du 13 février 2015 prévoit pour la Nouvelle-Calédonie 160 euros de prise en charge dans le cadre de l'aide dite simple. Il reste donc à charge de l'usager la bagatelle de 1 340 euros, 530 pris en charge si le quotient familial est supérieur à 10 000 euros. Nous interrogeons donc sur l'utilité de cette aide pour les ménages modestes, puisqu'on leur demande de supporter 1 000 euros par billet environ. Le ministre des Outre-mer et un certain nombre de tables rondes ont eu lieu sur ce sujet en 2020, reconnaissent qu'il y a un problème dans la détermination des plafonds et de la prise en charge. Il faut donc désormais traduire cela par un décret, puisque c'est un acte réglementaire et non la loi qui fixe les modalités de prise en charge. C'est ce à quoi le présent amendement nous invite. Merci beaucoup, monsieur Brindeau. Monsieur le rapporteur. Merci, monsieur le président. Oui, tout à fait. Le diable est dans les détails. Et même si la continuité territoriale est prise en compte souvent, dans le cas d'espèce, pour les ménages modestes, il y a une forme d'injustice. Donc, vous l'avez dit vous-même, c'est un amendement d'appel et ce sera sûrement par une voie autre que législative que ça pourra se régler. Mais en tout cas, la commission ne s'est pas prononcée, mais j'écoute et j'entends votre écho. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre. Oui, monsieur le Président, même développement que l'amendement précédent, par le même arrêté, par les mêmes crédits, retrait ou défavorable, parce que déjà en partie satisfait, largement. Merci beaucoup, monsieur Brindeau. Vous souhaitez retirer l'amendement ? Vous souhaitez le retirer ou pas ? Si vous le retirez, on le retire, sinon on laisse parler les orateurs. Effectivement, je prends
On note que le gouvernement s'engage à traiter la question par la voie réglementaire, ce qui était la demande de notre collègue Philippe Dunoyer. Donc je vais retirer bien volontiers l'amendement. L'amendement 2055 est donc retiré. Il y en a un 2053. Vous avez toujours la parole. Le 2053 est donc à nouveau un amendement de notre collègue Philippe Dunoyer qui concerne toujours la continuité territoriale et qui fait peser exceptionnellement certains coûts de transports locaux de la collectivité normalement compétente vers l'État pour renforcer la cohésion, soit entre différents territoires de la République, soit entre différents territoires d'une même collectivité éloignée ou enclavée. Ce financement existe notamment pour permettre les déplacements à prix maîtrisé entre les îles de Wallis et de Futuna, mais aussi pour assurer la continuité territoriale extérieure, c'est-à-dire que la compagnie qui gère la délégation de services publics puisse proposer un tarif spécial pour les vols en continuité d'un vol vers l'extérieur. Notre collègue Philippe Dunoyer, par cet amendement, souhaiterait donc permettre à l'archipel de la Nouvelle-Calédonie de bénéficier de la continuité territoriale pour les relations inter-îles, car aujourd'hui, malgré les subventions des provinces, le reste à charge des usagers reste élevé, et permettre qu'elles s'appliquent également pour les liaisons régionales, qui sont des portes vers l'international, par exemple Auckland, Osaka ou Sydney, comme c'est le cas pour Wallis et Futuna ou Saint-Pierre-et-Miquelon. Il est à noter, pour ce qui concerne Saint-Pierre-et-Miquelon, que le projet de loi de finances prévoit que l'engagement financier de l'État initialement prévu à 13,7 millions d'euros sur 5 ans sera complété de 2,5 millions d'euros afin d'acter une baisse des tarifs de 25% sur la liaison entre Saint-Pierre-et-Miquelon et Halifax au Canada. Dans la mesure où des budgets semblent disponibles, nous souhaiterions pouvoir en faire bénéficier les Calédoniens. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Brindeau, Monsieur rapporteur. Oui, nous avons eu cet échange hier soir. Là, vous parlez finalement un peu de la double insularité et puis des problématiques d'enclavement à l'intérieur même de nos archipels. C'est une vraie problématique auquel on n'a pas de réponse satisfaisante pour l'instant. Principe, d'ailleurs le ministre l'a rappelé, il s'agit d'une compétence non étatique et pourtant, finalement, on doit y répondre et les collectivités territoriales tentent de le faire souvent de façon imparfaite, comme vous venez de le décrire. Je crois personnellement, puisque la Commission ne s'est pas prononcée, qu'il y a un chemin à co-construire entre l'État et les collectivités territoriales pour pouvoir répondre à toutes les personnes vivant en Outre-mer, y compris dans les contrées les plus reculées de ces territoires. Donc je suis favorable à votre appel. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, je vais redire également ce que j'ai dit cette nuit. Je pense qu'il faut qu'on soit particulièrement cohérent sur cette question, parce que sinon, on va perdre le fil. Vous avez des collectivités territoriales, dans l'Hexagone d'ailleurs, comme en Outre-mer, qui sont autorités organisatrices de transport. Elles le sont sur l'ensemble de leur territoire, enfin, y compris le conseil départemental, ou maintenant les conseils régionaux, ou les intercommunalités du littoral breton, ou de la façade atlantique, qui eux aussi ont un certain nombre d'îles sur lesquelles il faut assumer et assurer des transports. Ce que je veux dire par là, c'est que soit c'est décentralisé et c'est aux collectivités d'en assurer la charge et l'organisation, soit il y a des problèmes de tarification, il faut traiter ces sujets localement, soit il y a des sujets de financement du dispositif, et auquel cas il faut le traiter aussi localement, bien souvent quand même, parce que ça on ne le dit pas, de l'impôt a été levé quand même pour permettre de mettre en place un certain nombre de ces services publics-là. Bon. Et alors pour les collectivités du Pacifique, pour le coup, il n'y a pas de doute sur le fait qu'on est sur une compétence complètement transférée. Et je le dis devant la députée Maïna Sage, si on ne se répartit pas correctement les rôles, à tout faire à moitié, on va faire les choses mal. Même la députée hier soir m'a interpellé sur les grandes compagnies aériennes qui, pour le coup, sont en grande difficulté en ce moment. C'est le rôle de l'État, de la solidarité nationale, pour le coup, que d'accompagner ces grandes compagnies aériennes, parce que là, véritablement, c'est même plus qu'une affaire de continuité territoriale. C'est encore plus grave que ça, plus important que cela. Mais dans les relations archipélagiques, moi je reste convaincu que c'est une compétence qui a été complètement transférée, avec tous les moyens d'ailleurs à l'époque qui allaient pour se faire, enfin tous les moyens, certainement pas à l'euro près, parce que le service public et les demandes de services évidemment vont grandissant. Mais si on va jusqu'au bout de cette conversation, il faut se reposer la question de la répartition des compétences alors entre l'État et les différentes collectivités territoriales pour les uns ou pour les pays, gouvernements locaux pour les autres. Mais si on commence à prendre sur le budget général de l'État des dispositions de cette nature, sur des continuités en infra, je vous le dis, hein, dans les autres missions
ici discuter au Parlement. Vous aurez des élus ruraux, des élus du littoral, des parlementaires du littoral ou des élus de certains départements ruraux de l'Hexagone qui diront bah, « Attendez, les transports entre deux grands ensembles ruraux, il faut aussi les équilibrer. » Enfin, je pense qu'il faut qu'on fasse attention à ce qu'on fait. Et moi, j'aimerais bien aussi dire oui, parce que le député du Noyer, j'étais avec lui dans la province des Îles encore la semaine dernière. On a pu entendre un certain nombre de questionnements de nos concitoyens sur ces sujets. Mais je pense qu'il faut qu'on fasse attention à bien clarifier qui fait quoi. Si on veut consacrer nos moyens et notre énergie au niveau national sur les compagnies aériennes, on ne peut pas en plus commencer à rentrer dans la double continuité territoriale. Ou alors, c'est un peu comme le député Serval l'invitait à le faire, c'est une vraie discussion dans le cadre de du projet de loi 3D ou 4D, parce qu'on se repose des questions de qui fait quoi en termes d'autorité organisatrice. Mais sinon, on va tout brouiller. On n'arrête pas de dire qu'il faut, à une strate, un niveau de compétence et un niveau d'impôt. Et puis là, on va se resservir du budget de l'État pour aller financer la double continuité. Enfin, je pense que c'est pas une bonne politique en termes de gestion. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas un problème. Je ne dis pas qu'il n'y a pas une attente sur le terrain. Je ne dis pas le contraire. Mais si on veut organiser correctement les choses dans des moments difficiles où déjà assurer la relation entre Paris et les différents territoires d'outre-mer avec la crise Covid ne va pas être une sinécure dans les mois qui viennent, je pense qu'il faut qu'on fasse attention à ça. Donc demande de retrait, je le vis comme un amendement d'appel, mais j'ai l'impression qu'on appelle chaque année sans aller jusqu'au bout de nos phrases. Et donc ça pose véritablement la question de qui fait quoi une bonne fois pour toutes. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Monsieur Brindeau. Oui, j'entends l'argumentation, monsieur le ministre, que vous développez, en particulier le parallèle entre les collectivités métropolitaines organisatrices de transport et les collectivités territoires d'outre-mer qui eux-mêmes ont vu cette compétence transférée. Simplement, vous l'imaginez bien, les enjeux ne sont pas les mêmes entre une île à quelques kilomètres de la Bretagne et la situation géographique insulaire et notamment celle de la Nouvelle-Calédonie. Alors même si comparaison n'est pas raison, il me semble que la Guyane bénéficie de ce dispositif. J'entends qu'il faille reposer la question de l'équilibre des compétences, mais ça me rappelle en matière de décentralisation aussi la question du transfert à une année N avec les moyens qui sont donnés, vous les avez rappelés, mais l'évolution ensuite des développements de ces compétences, des charges supplémentaires qui pèsent sur les collectivités territoriales, eh bien, me fait faire ce parallèle avec la situation que connaît la Nouvelle-Calédonie. Donc, pour le coup, je ne retirerai pas l'amendement. Merci, M. Brindeau. Madame Maïnassa, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la délégation. Merci pour vos avis, merci d'ouvrir le débat. Monsieur le Ministre, d'abord, dire que l'an dernier, ici, il y a eu un grand débat sur la continuité. Et je voudrais abonder dans le sens de notre Président de la délégation, c'est-à-dire que c'est un sujet récurrent. Je pense que si ce sujet revient régulièrement, c'est que véritablement, nos collectivités ont du mal à boucler les budgets. Tout simplement. Il ne s'agit plus d'une question de compétences. Je crois qu'on est sur cette part supplémentaire qui est demandée aussi pour compenser des surcoûts structurels qui sont liés à la fois aux conditions géographiques, à l'isolement, à la nature de nos territoires, à l'échelle de ces territoires. Vous savez, quand on n'est que 300 000 habitants, moins de 300 000, à gérer un territoire grand comme l'Europe avec 76 îles habitées, forcément, va se poser à un moment donné un problème de ratio et de, entre guillemets, de rentabilité de ces services, finalement. Donc, en Polynésie, par exemple, nous avons mis en place une autorité de la concurrence. Est-ce qu'il fallait ouvrir à la concurrence certaines lignes ou garder des OSP avec des systèmes d'obligation de service public? C'est un vrai débat de fond et vous avez raison. On n'a jamais assez de temps ici pour aller jusqu'au bout. Moi, je vous invite, on est prêt à venir participer. Peut-être qu'effectivement, les territoires ultramarins ont besoin de voir, de comparer avec d'autres territoires de l'Hexagone. Mais il faut prendre en compte ces spécificités. Et il y a à la fois l'éloignement, il y a les conditions, la taille, l'échelle, la taille de population.
mais il y a aussi la discontinuité géographique. Moi, j'insiste là-dessus. Quand on est une commune isolée, c'est vrai, rurale, on a quand même quelques voisins autour avec qui on peut monter plus facilement des EPCI, avec qui on peut monter plus facilement des communautés de communes, ce qui est très difficile à réaliser en Polynésie. Moi, je rappelle, c'était le débat sur le CGCT en 2008, où on nous a poussés à aller vers des communes associées. Le résultat, c'est qu'en vérité, c'est très difficile de mettre en commun des choses, des compétences ensemble quand il y a discontinuité géographique. Merci. Voilà, moi, j'ai un amendement un peu plus tard. Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi il n'est pas non plus classé là, puisque il traite à ce sujet, mais on en reparlera. Mais vraiment, moi, j'insiste pour vous dire d'ouvrir le débat et qu'on aille au fond et qu'on voit peut-être comment on peut partager peut-être plutôt cette compétence. Merci beaucoup. Monsieur Guillaume Vulté, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le Ministre. C'est un sujet qui est évidemment récurrent, qui est stable. D'ailleurs, il y a un groupe de travail qui a repris force et vigueur il n'y a pas si longtemps et qui doit apporter des réponses par rapport au sujet plus général de la continuité. La double insularité est une réalité. C'est pas tout à fait, je voudrais répondre à notre collègue Brindeau, comme pour le fric-frac habituel des décentralisations qui arrivent avec une enveloppe dont on sait déjà quasiment quand elles sont installées qu'elles sont insuffisantes pour répondre à la réalité des besoins. Toute personne qui a été élue locale sait que ça arrive. Là, on n'est pas sur le même sujet. On est sur un sujet qui est structurel, qui est important, qu'il va bien falloir traiter à un moment donné. Mais là, il y a encore une fois un travail qui est en cours. Et je pense qu'il faut, lui laisser le temps de se développer. C'est pourquoi le groupe LAREM suivra l'avis du gouvernement contre cet amendement. Merci beaucoup. C'est donc un amendement que je vais mettre aux voix avec un avis défavorable du gouvernement qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. Le 2049, monsieur Lagarde. Oui, monsieur le Président. Cet amendement s'inspire des recommandations du rapport d'information de notre collègue Nicole Sanquer, c'est elle qui en est l'auteur, sur l'aide de la continuité territoriale. Il s'agit par cet amendement d'appeler votre attention, monsieur le ministre, sur la bonne application de l'article L1803-4 du Code de sécurité de transport sur la continuité territoriale intérieure. Cet article prévoit l'éligibilité à l'aide à la continuité territoriale intérieure sous condition de ressources et de difficultés d'accès du territoire. Seule la Guyane bénéficie de ce dispositif aujourd'hui, et s'il n'est pas question de renier les caractéristiques géographiques particulières de la Guyane, d'autres territoires sont tout aussi légitimes à l'éligibilité de ce dispositif. Comment justifier en effet que la Polynésie française, dont le territoire est composé de 118 îles éparpillées sur une étendue équivalente à l'Europe, ne puisse prétendre au bénéfice de cette aide? Cette aide est d'autant plus essentielle à un territoire comme la Polynésie française qu'elle favoriserait le désenclavement des îles et dynamiserait leur développement économique, car ce sont dans ces îles les plus éloignées que se concentrent les foyers de pauvreté. Alors j'entends, monsieur le ministre, que c'est, dans votre réponse, un problème récurrent. Tout le monde l'amenait. C'est votre premier budget en tant que ministre de l'Outre-mer. Ce n'est pas le premier que nous avons l'occasion d'aborder en tant que parlementaire. Et c'est justement parce que le problème est récurrent qu'il est grave. C'est justement parce que d'année en année, on nous dit qu'il faut revoir l'ensemble du dispositif, les compétences, les moyens de compensation, que finalement, ça n'avance pas. Alors, nous avons pleinement conscience, y compris à travers cet amendement, monsieur le ministre, qu'on ne peut pas régler ça dans le cadre d'une discussion budgétaire. La difficulté, notre collègue Maïna Sage vient de le dire, et c'est la raison pour laquelle Nicole Sanquer a déposé cet amendement, la difficulté, c'est qu'en dehors du cadre budgétaire, il n'y a jamais cette discussion. Donc ce que nous entendons de vous, monsieur le ministre, c'est qu'il y a un engagement très clair du gouvernement pour que cette discussion se rouvre et qu'elle puisse aboutir. Quand vous êtes à Toubouaï en Polynésie française et que vous voulez aller à Ivaoa, vous faites l'équivalent de Madrid-Oslo, et encore avec un stop au milieu. Évidemment que cette difficulté est plus grande sur certains territoires que sur d'autres, et ce n'est pas en répétant que le problème est récurrent, je ne vous en fais pas à vous le procès, malheureusement, à tous vos prédécesseurs, qu'on va le régler. Merci, monsieur Lagarde. Monsieur le rapporteur. Monsieur le Président, merci. Monsieur le Président Lagarde. Bon, tout a déjà été dit. Je retiens une chose, c'est que le ministre a dit qu'il est tout disposé à remettre les choses à plat lors de la loi 4D qui va arriver dans les prochains mois. Il a dit qu'il faut qu'on termine nos phrases. Eh bien, je suis d'accord avec lui à terminer les phrases sur la continuité territoriale en Outre-mer, puisque ce sont des phrases inachevées depuis trop longtemps. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Oui, merci, monsieur le Président. Monsieur le Président Lagarde, bon, je ne reviens pas sur ce que j'ai dit, mais... Enfin, je reste persuadé que c'est un problème très structurel et que ça pose la question des compétences. Voilà. Et que ce n'est pas une phrase en l'air que de dire cela. Et que désormais, bah, on ne peut pas d'un côté avoir demandé, avoir un mouvement pendant 30 ou 40 ans où il y a des compétences qui sont définitivement transférées de l'État vers les collectivités du Pacifique, consacrées par la Constitution, et c'est une bonne chose.
Et parfois, quand on n'arrive pas à financer certains services publics, rappeler le budget de l'État sans cadre global. Donc ça pose la question d'un principe de subsidiarité sur ces compétences-là. Et je pense que c'est un bon sujet, parce que si on en va là, il n'y a pas que la continuité territoriale archipélagique ou au sein des territoires. Ça pose aussi la question, je l'ai vu monter, je la vois monter sur la CSPE, sur l'énergie. Enfin, il y a beaucoup de sujets qui montent en ce moment. Et donc moi, je vous propose aussi au Parlement d'évaluer ce qui a été transféré ces dernières années. Parce que c'est intéressant de voir que ces collectivités aujourd'hui commence à nous dire qu'au regard de la crise, au regard des difficultés structurelles, elles n'arrivent plus complètement à assumer certains services publics ou certaines compétences, et ce n'est pas désagréable ou un reproche que je fais, mais qui ont été transférées au fil du temps. Ça, c'est un nœud intéressant. Il y a une grande vague autonomiste importante, et pour des raisons bien légitimes, et sur lesquelles, moi, comme vous le savez, je ne suis pas très jacobin, donc je suis très à l'aise avec cette vision des choses, mais désormais, force est de constater que nos bilatérales entre les différents territoires et le gouvernement se concentre souvent sur des compétences qui n'appartiennent absolument plus à l'État. Je trouve que c'est intéressant et c'est, à mon avis, comme cela qu'il faut regarder les choses. Deuxième chose, sur la Guyane. La Guyane, ça doit être 700 personnes qui bénéficient chaque année du dispositif pour un ticket moyen de 29 ou 30 euros. On ne peut pas dire que ce soit un grand succès, pour être complètement transparent. Ça veut dire que, si je reprends l'amendement que vous défendez pour le compte de Mme Sanquer, pour qu'on soit sur véritablement quelque chose qui soit efficace pour la Nouvelle-Calédonie ou pour la Polynésie française, ce n'est pas 1 million d'euros qu'il faut proposer. Il faut aller beaucoup plus au-delà pour avoir un dispositif qui fasse effet de levier. Mais rebelote, même si on a un dispositif qui fait effet de levier de manière très structurelle, ça repose la question de la concurrence entre les différentes offres. Parce qu'on sait très très bien aussi, le président Fritsch y revient souvent, qu'un des enjeux du prix du billet, c'est aussi le flux, la capacité à générer beaucoup de billets pour réduire effectivement un certain nombre de coûts, et puis aussi des notions de concurrence, où parfois il y a quand même des monopoles qui rendent les choses très compliquées, des monopoles que malheureusement on doit traiter nous-mêmes, parce qu'on soutient par ailleurs les dites compagnies. Donc le problème, il est très global, je partage ce que vous dites, on ne peut pas le traiter comme ça à faveur de 2 ou 3 amendements sur une discussion budgétaire, mais ça pose des questions globales, très structurantes, très structurelles, et qui d'ailleurs dépassent la seule question de la continuité territoriale, on le voit bien sur les questions d'énergie, sur lesquelles là aussi des questions sont posées, alors qu'elles ne se posaient pas ces dernières années. En tout cas, merci pour ces amendements, parce qu'ils mettent aussi l'accent sur des difficultés d'organisation entre les collectivités du Pacifique et l'État, qui méritent à mon avis d'être traitées dans les temps à venir. Je ne parle même pas en Nouvelle-Calédonie, où là le sujet évidemment des compétences est encore plus redoutablement complexe. Merci Monsieur le Ministre. Monsieur le Président Lagarde, vous avez la parole. Oui, Monsieur le Ministre, je retiens l'engagement qui est le vôtre d'aborder ces problèmes de façon, et pas uniquement évidemment polynésienne, de façon globale et structurelle. Je veux simplement préciser, Monsieur le Ministre, avant de retirer l'amendement, que si cet amendement prévoit 1 million d'euros, ce n'est pas parce que Nicole Sanquer ne sait pas qu'il faudrait plus. C'est simplement parce que la logique et la technique budgétaire dans la Ve République paralysent le Parlement et que c'était une forme pour avoir un amendement d'appel et d'avoir ce débat. Je retire donc l'amendement. Merci beaucoup, Monsieur le Président Lagarde. Nous passons en 2050. Le 2050. Alors, Monsieur le Président Lagarde, vous avez la parole. Oui, cet amendement de notre collègue Nicole Sanquer provient des recommandations, là encore, de son rapport. Il s'agit par cet amendement, et c'est un sujet différent, Monsieur le Ministre, d'attirer l'attention du gouvernement sur la nécessité de fixer l'aide comme une part du titre de transport et non plus comme un montant forfaitaire. Il semble que cette mesure soit satisfaite par la présente mission et nous ne pourrions que nous en réjouir, mais je veux que vous puissiez nous le préciser, octroyer l'aide à la continuité territoriale comme une part du titre de transport permettrait d'assurer une équité de l'aide entre les territoires, qu'importe le montant du titre. Le rapport de Nicole Sanquer indiquait en effet qu'en moyenne, l'aide représente 40% du titre de transport pour les départements d'outre-mer, quand il ne représente que 10% du coût du transport pour les collectivités d'outre-mer. Et on le comprend bien, c'est beaucoup plus cher, pour le billet étant plus cher, pour les collectivités d'outre-mer, pour des raisons que vous évoquiez, mais aussi des raisons d'éloignement, finalement, quand on fait une aide forfaitaire, ceux qui sont les plus près, ceux qui sont les moins chers, sont plus aidés que les autres, ce qui, évidemment, ne paraît pas logique ni équitable. Merci beaucoup, Monsieur le Président Lagarde. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Président Lagarde, vous avez raison, là aussi. D'ailleurs, j'ai retenu une proposition du ministre intéressante d'évaluer ces transferts de compétences sur la continuité territoriale. Je crois que c'est un bon chemin qu'il propose pour tout mettre à plat, et je reprends ces mots, terminer les phrases. Loi 4D,
entre-temps, j'imagine, une évaluation du transfert des compétences. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Oui, merci beaucoup, monsieur le président Lagarde. Peut-être à travers vous, remercier les différents parlementaires de votre groupe qui se sont investis dans ces sur ces sujets, dans ces questions, dans le cadre des groupes de travail que j'ai initiés lorsque j'ai été nommé rue Audino, et effectivement un certain nombre de préconisations en sont ressorties. Et donc, demande de retrait, parce que cela va être satisfait par voie d'arrêté, pour le coup, et pas dans la loi, pour modifier justement les prises en charge qui seront autour de 40%. On fera un retour aux députés Dunoyer, Gomes et Sanquer, parce qu'évidemment, ils ont participé, ou par la voix de leurs assistants parlementaires, ils ont pu y participer. Et je salue également l'ensemble des autres parlementaires de cet hémicycle qui se sont investis sur ces travaux, qui nous permettent de faire bouger les choses dans le bon sens. Il faudra néanmoins l'évaluer, comme à chaque fois, parce que comme on est sur des dispositifs qui, en fait, font de l'accompagnement individuel, évidemment, il faut regarder après le taux de recours, si j'ose dire, le taux de succès ensuite de ces modifications. Voilà, monsieur le président. Merci beaucoup. Alors, avant de vous repasser la parole, normalement, ce serait à vous, monsieur le président Lagarde, mais monsieur Mathiezin a souhaité avoir un mot tout à l'heure sur cette question de l'aide à la continuité territoriale. Vous avez la parole, puis je vous laisserai nous dire si vous retirez l'amendement ou pas. Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre, je suis très heureux de participer, d'être rapporteur pour avis sur le budget de cette mission aux Outre-mer. Je constate, monsieur le ministre, que quand nous discutons avec vous et que nous vous proposons des amendements, vous nous renvoyez toujours aux compétences, à la législation, aux textes que vous avez l'heure de maîtriser. Je n'ai pas dit l'heure de maîtriser très bien. Mais hier, lorsque notre collègue a parlé de colonisation, vous avez semblé être offusqué. Ça vous a fait mal puisque vous lui avez répondu vertement. Mais vous ne pouvez pas ignorer, monsieur le ministre, que nous avons des retards structurels qui n'ont jamais été rattrapés depuis 1946, parce que je ne vais pas parler de colonisation, depuis 1946. En 1946, nous partons avec des handicaps extraordinaires. Et lorsqu'il s'est agi de faire adapter, ou du moins appliquer les textes qui étaient votés en métropole, puisqu'on dit la métropole, aux Outre-mer, il y avait pour nous ce fameux article 72 de la Constitution qui disait qu'on pouvait précisément les adapter, les faire et appliquer en différé. Aujourd'hui, vous voyez très bien que toutes les réponses que vous nous donnez nous ramènent à un problème de développement, de structuration de notre développement, nous ramènent à un problème de rattrapage réel, c'est-à-dire d'égalité réelle, puisqu'il y a eu ce texte sur l'égalité réelle. Je ne sais pas pourquoi on a mis réel derrière l'égalité, d'ailleurs. Parce que si la devise de la République, c'est liberté, égalité, fraternité, je ne comprends pas pourquoi le mot réel vient après égalité. C'est soit nous sommes égaux ou pas. Donc vous nous renvoyez à chaque fois à des études, à la révision, de la remise à plat de certains nombres de choses. Monsieur le ministre, moi je vous demande véritablement de nous engager sur cette voie-là. Peut-être dans le cadre de la loi qui vient, merci de conclure, le 3D ou 4D, on verra quelle en sera la dimension, pour que nous puissions véritablement nous mettre ensemble et organiser ce travail de développement, mais de structuration du développement, pour que nous sachions exactement ce que nous allons, où nous allons entre l'État et nos collectivités territoriales. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, vous souhaitez apporter quelques éléments de réponse, puis Monsieur Lagarde nous dira s'il maintient l'amendement. Je laisserai le président Lagarde lui-même apporter les éléments de réponse sur la suite de son amendement. Non, je ne voudrais pas qu'il y ait de malentendu, Monsieur Mathiassin, parce que si je peux partager les grands objectifs, j'ai la faiblesse de penser qu'on n'en est plus au discours ou aux mots, mais on est dans l'art d'exécution. Et je pense que l'intérêt du PLF et de la mission que je vous présente depuis cette nuit, et je crois d'ailleurs avoir entendu dans la discussion générale des propos qui plutôt convergeaient en dépit des différences de sensibilité politique, c'est pas tellement quoi, c'est surtout comment et quand. Le beau débat qu'on a eu cette nuit sur le logement me laisse plutôt à penser, et le député Letchimy est revenu avec des spécificités locales, et quelques autres aussi, à la réunion avec le député Naillet, j'ai le sentiment qu'en fait on cherche tous à bien faire, et que désormais la vraie question c'est comment ça fonctionne. Donc moi je parle pas d'égalité réelle, de tous ces sujets, parce que j'ai eu le sentiment dans ma vie d'élu local ou d'assistant parlementaire dans cette jeune maison que pendant qu'on passait des heures justement à mettre des mots
sur des choses. On s'éloignait justement des attentes de nos concitoyens qui, eux, vous en savez quelque chose, veulent de l'eau au robinet. Donc, le vrai débat, moi, que je vous propose, en tout cas pour la feuille de route qui m'emmène jusqu'à la fin du quinquennat en tant que ministre des Outre-mer, c'est plutôt de se poser la question du comment on fait que des éternels grands débats sur lesquels on a largement, je crois, fatigué la patience de nos concitoyens, quels qu'ils soient et quels qu'en soient les territoires ces dernières années, en disant bah, comment on fait ? Comment on fait pour construire des logements ? On a mis de l'argent sur la table. Comment désormais on déroule ? Le plan de relance, il y a 1,5 milliard sur la table. Pardon de ma trivialité, on sait très bien que l'enjeu, c'est de savoir est-ce qu'on arrivera vraiment à dépenser cet argent dans les délais impartis pour relancer l'économie en Outre-mer. Donc moi, je propose plutôt une méthode assez pragmatique. Pardon, hein, mais c'est peut-être une méthode d'élu local, ça vaut ce que ça vaut. Mais un certain nombre d'entre vous ont été maire ou adjoint au maire, président d'intercommunalité ou président de département. Moi, je préfère m'inscrire dans cette dynamique-là sans trop regarder justement le passé. Et puis, dernier point, oui, je renvoie souvent aux compétences des uns et des autres parce que c'est aussi l'élu local qui vous parle. Je reste persuadé qu'après justement la colonisation, avoir mis en œuvre des mouvements de décentralisation très ambitieux vis-à-vis des territoires d'outre-mer, en faisant confiance aux élus locaux, est à mon avis la plus belle chose qu'on ait pu faire, parce que ça renvoie à la responsabilité locale. Et pardon, monsieur le député, mais la responsabilité locale, c'est la véritable émancipation politique, économique, intellectuelle. Ça fait partie justement de cette confiance-là. Donc moi, je préfère aider les élus locaux à exercer leurs compétences, sans pour autant penser qu'à Paris, en loi de finances, on peut justement rattraper les compétences des uns et des autres en les écrasant ou en ne les respectant pas. Je pense qu'on ne ferait pas forcément le bon chemin dans l'histoire. Merci beaucoup, M. le Président Lagarde. Sur l'amendement 2050, souhaitez-vous le maintenir ? Oui, M. le Président, je partage l'opinion du ministre sur le fait que bien souvent les débats sur les Outre-mer se sont accrochés à des symboles plus qu'à des réalités et parfois ont retardé la progression des réalités. L'exemple de l'amendement que je présente au nom de Nicole Sanquer, mais aussi de Philippe Dunoyer et de Philippe Gomez, en est un. Voilà quelque chose qui fait parler depuis des années et des années. Vous êtes en train de le faire avancer. Et donc, au nom de ces trois parlementaires, avant de retirer l'amendement, je veux vous remercier du travail que vous avez engagé en espérant effectivement que ça devienne prochainement une réalité. On passera enfin du symbole à la réalité. L'amendement est donc retiré.